Attention. On a nettoyé ses ongles. Je vous ai dit de reculer. Ouais. Est-ce qu'il y a des témoins? Excusez-moi, madame. Ne bousculez pas. Voyons, il n'y a rien à voir, c'est fini. S'il vous plaît, est-ce que vous savez qui est la victime? Il n'y aura aucune déclaration, vous savez bien. Ne fume pas les pièces à conviction, okay, il y a. Allons. Messieurs, dames, on reste derrière le. Ça sent mauvais. Qu'est-ce que ça donne? La routine. Qu'est-ce que Riley vient traficoter dans le coin? Le détective Riley et moi, on fait équipe. Allons, allons, restez en place. C'est pas le moment, madame. Est-ce qu'on pourrait appeler? Laissez la police faire son travail. Reculez. Détective. Laissez-les travailler. Des traces de quelque chose? Comme pour les autres cas, pas la moindre. A-t-on fait le récurage des ongles? Sanchez. Oui, je les ai même vernis, d'accord? Il s'appelle Jason Healy. Il loge encore chez sa mère. Faudrait la prévenir. Est-ce que c'est Rogier, le gâteur de drogue ou quoi? Je ne sais rien. D'accord. J'ai les rapports du coroner et du médecin légiste pour hier soir. Qu'est-ce que je fais avec? Tu me les apportes pour la réunion. Où est-ce que tu cours? J'ai des choses à dire au lieutenant. Ah, d'accord. Tu vas te défendre ou t'aplatir devant elle? J'ai fait équipe avec elle. C'est du passé. Écoute, les causes de harcèlement, ça remue que de la merde. Voyons, tout le monde sait ça. Et alors? Qu'elle fasse la preuve, vieux. Détective Riggs, détective Yanouk. Je dois voir le maire, je suis pressé. Vous en êtes où, tous les deux? Oh, voyons, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas d'avocat ici, et tout est confidentiel. Qui va se jeter à l'eau? Yanouk, tu veux commencer? C'est comme je l'ai déjà dit. Personnellement, je pense que toute cette affaire n'est qu'un énorme malentendu. Il ne m'a pas encore fait d'excuses. Ah, jamais je ne l'ai touché. Et il faudrait que je laisse tomber la poursuite. Sheila, je n'ai jamais abusé de qui que ce soit. Ça n'a aucun sens. Je perds mon temps ici. Qu'est-ce que tu attends pour t'excuser? De quoi? J'ai fait ma part déjà. Tu me les casses, là. Je suis censé demeurer impartial, moi. Si j'appuie ta cause, c'est parce que je tiens pas à ce que tu nous quittes. Des gars dans ton genre, j'en ai très peu. Je fais mon possible pour t'aider. Sauf votre respect, lieutenant, on peut pas dire que vous m'aidiez beaucoup là-dedans. C'est vrai, pourquoi me mettre en équipe avec une autre femme après une affaire pareille? T'as vu un avocat, c'est ça? Non, pour quelle raison? Je n'ai rien fait. Elle n'a aucune preuve, aucun témoin. C'est sa parole contre la mienne. Qu'est-ce que c'est? C'est une décision judiciaire, une demande d'enquête. C'est bien sérieux, Yanouk.
Si tu voyais un avocat, tu apprendrais peut-être que tout est affaire de crédibilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, la crédibilité, c'est ce qui importe le plus. On se demande toujours laquelle des deux parties inspire le plus confiance. En réalité, ce qu'il te faudrait, c'est un bon témoin. Si c'est que ça, j'ai ici tout plein de collègues qui se dévoueront pour moi. Dans ce genre de cause, il paraît que le témoignage d'une femme est ce qu'on peut rêver de mieux. Est-ce que tu me suis, Gary? Lieutenant, je l'ai pas touché. Mais on s'en fiche de ça. Maintenant, au boulot, hop, et tu me soignes ta coéquipière. Et attraper ce tueur de flic, bordel! Touché dans leur froc, et pas une putain de contravention qui se donne entre-temps! Oui. Donc, ce sont tous des hommes, tous d'origine caucasienne et en uniforme. Même groupe d'âge, entre 39 et 42 ans. Tous mesuraient entre 1m65 et 1m88. Et tous faisaient entre 70 et une centaine de kilos. De toute évidence, la taille et le poids ne sont pas déterminants. Dans chacun des cas, on retrouve de multiples blessures causées par un couteau de pêche. De la même marque, toujours la même marque. On note aussi que le meurtrier loge toujours l'arme du crime dans la gorge de la victime après l'avoir tuée. Alors, l'un de vous se sent inspiré? C'est sa griffe. Une sorte de signature. Exactement. Et quel serait le message? Dans l'esprit tordu du meurtrier, que symboliserait chacun de ces policiers? Il déteste peut-être juste les flics. C'est une femme, si ça se trouve. Vu la corpulence de certaines des victimes, j'aurais peine à le croire. Faut s'attendre à tout. Oui, c'est possible. Dieu sait que j'ai pourtant connu des femmes fortes. Ça, personne n'en doute. Bon, allez, au travail, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime beaucoup ça, vous êtes direct. On devrait faire du bon travail. Sans doute. Salut. Céline, veuillez laisser un message. Merci. Oui, bonjour, c'est Yanouk. Gary Yanouk, votre collègue. Quelle horreur, ces trucs, ça me paralyse. Écoutez, j'étais en train de réfléchir dans mon lit et... Enfin, comme vous devez le savoir... Peut-être qu'on ne vous en a pas parlé, remarquez, mais...
qu'est-ce que je te cause? Je tiens à ce putain d'emploi, voilà pourquoi. Écoute, je ne serai pas libre mercredi prochain. J'enverrai une amie à ma place. Tu l'adoreras. C'est un bon coup. Salut. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Bien. Et on a la preuve qu'il ne massacre pas que des flics en uniforme. Le gars s'appelle Andy Leavitt. Détective Andy Leavitt. Sanchez, vous marquez tout avec la craie. J'ai pas à faire ce travail, désolé, mais c'est comme ça. Que je n'ai pas à vous le redire, d'accord? Allez, fais ce qu'on te dit. Allez-y donc, tous les deux. Sûr, mais il existe, je crois, un règlement contre ça. Non. T'as tout intérêt à l'avoir de ton côté, j'imagine. De quoi est-ce que tu parles? Elle pourrait toujours témoigner en ta faveur s'il le fallait, pas vrai? Une défaillance.
Ce n'est rien, c'est passé, ça va. C'est pas grave. Tiens. Je ne tiendrai jamais le coup à ce rythme-là. 16 heures dans une journée, c'est stressant. On coincera ce gars. Faut essayer de relaxer de manière à garder toutes vos forces. Regarde un peu. Pourquoi t'as fait ça? J'ai mon boulot, moi. Oui, le problème. Blake? Qu'est-ce qui se passe, Blake? Bon sang, Blake! Tu cherches à voir ma folle ou quoi? C'est pas vrai. Blake! Déjà debout. Je crois qu'on avait tous deux besoin de dormir. Hey, Lynn. Lynn. Oh, oh. Ça va? Quoi? Oh. C'est pas compliqué, vous faites du somnambulisme. Mon père était comme vous. Je crois même, si j'ai de la mémoire, que ma grand-mère l'attachait après le bois du lit pour être sûre qu'il ne se lèverait pas. Oh, au fait, j'avais reçu votre message.
Quel message? Sur le répondeur. Écoutez, je crois avoir saisi ce que vous vouliez me dire. Si je peux dire un mot pour vous venir en aide, je suis prête à le faire. Vous n'avez rien saisi, désolé. Et merci, j'ai horreur de la charité. Demander de l'aide est donc si difficile, ou bien est-ce parce que je suis une femme, dites-moi? Je vous ai répondu. De l'aide, j'en veux pas. Ni de vous, ni de personne, compris? Allons, Yanouk, vous savez à quel point ces choses-là sont délicates. Il n'y a rien eu. Bien. Vous ne me croyez pas, c'est ça? Si, je vous crois, voyons. Petite conne. Est-ce que vous me reconduisez? Ma voiture est restée à l'usine. Quoi, qu'y a-t-il? C'est un phare qui est brisé. Encore un emmerdement.